Power Ranger Fighting Edition. Donc on est sur du fighting avec des mechas. Voilà. Alors le Mega Tegazor, le Mega Megazort, Thunder Megazort. Alors. On est parti. Power Ranger. Sur un Sentai commandé aux Américains avec des acteurs et des doublages d'acteurs japonais. Voilà. Ou d'ailleurs le Ranger jaune, qui était une fille et qui était une typée japonaise. Bon, en fait, dans les fights, vous le saurez, vous enlevez le mythe, etc. Bah, c'était un mec. C'était un mec des pales qui faisait les doublages. Oh là là. Et c'est pas mal, hein. Je mâche un petit peu les boutons. En tout cas, il y a du quart de cercle. Quart de cercle et demi-cercle, déjà. Je pense que si on attend un petit peu que la jauge en bas devienne pleine, nos coups en fait font plus de dégâts. Yes. Bon, on a gagné. Premier match. Lip Syncer. Yes, elle peut bouger. Hein. C'est un enchaînement de fou. Bon, si on fait ça à la Dragon Punch, ouais, bah c'est à la street. Hein. C'est assez maniable. Yes. Pas mal, hein. J'ai explosé. Oh, les petites scènes à la fin. Pas mal. Hein. Le Ninja Megazord. On est quasiment tout le temps sur le même niveau. Elle est pas très compliquée, hein. Il est pas très compliqué, le machin il est incroyable. Bah, mais non, enfin, là, c'est bon. Ça va. Il est très accessible. Je sais pas, il était destiné à quel âge. Bon, là, je peux faire un truc spécial. Hein. Il y a une manipulation. Ouais, bah, il est pas mal. Hein. Donc c'est Mighty Power Ranger de Fighting Edition. Voilà. Shogun Megazord.
Pas mal, hein. C'est, pour l'instant le personnage c'est du street. Hein. C'est du street. Quasiment en train de buter. Hein. Yes. Purée quoi. C'est un petit peu... C'était pas mal en fait. Première défaite. Première défaite en round. Allez, round 3. En fait, je pourrais utiliser plus l'épée. Parce qu'il garde une distance, une certaine distance pour le toucher. C'est pas mal. Fait très mal. Je lâche un peu. Yes. C'était chaud. Silver Horn. Je l'ai pas lâché. Je l'ai pas lâché. Il est mort. Il n'a rien fait en fait celui-là. Et il explose. Et ouais. Classique du Sentai. Allez, Thunder Megazord contre Thunder Megazord. Voilà, on va jouer contre nous-mêmes. Yes. Pas très compliqué. Niveau pas trop varié. Niveau sonore ça va.
Niveau gameplay, ça répond très bien. Ça répond très bien, c'est à la street. La street. Le design graphique est pas mal. Pas mal. Pas trop les niveaux, mais tout ce qui est en premier plan, overlay, etc., c'est pas mal. Goldar. Ça se rapproche des boss, hein. Là, ils volent. Ah okay. Yes. Bon là ils ont pas. J'arrive à placer un bon petit combo sur les combos. Lui aussi fait très mal. Okay. Si vous vous demandez, il n'y a pas de coup de pied en fait. Il y a soit attaque sabre, soit attaque poing. Et ses bases, quart de cercle, demi-cercle, Dragon Punch, avec tout ça quoi. Yes. Alors je sais pas quand est-ce que ça va être le boss. C'était le boss par exemple. Je pense pas. Lord Zedo. Déjà là, c'est déjà plus boss. Yes! J'ai déchiré là. Le mieux. Bon, on l'a eu. Lord Zedo, disons. Il a explosé différemment. Ça doit être le boss. Il arrive. Ivan Oz. C'est pas le magicien d'Oz. Ivan. Voilà. Voilà. Ça va, pas cheater là. Je vais taper par terre. Purée. Eh mais vas-y. Pourquoi il est tout le temps en hauteur, je peux pas le toucher là. Là. Le boss il est chaud. Il est plus chaud que les autres jeux. Game over. Continue mon gars. Attends. On vient à peine de commencer. À peine de commencer quand même. Enfin, on a de vengeance. Très
Yes. Un peu de patience. Se protéger à chaque fois des boules. Pour le foutre des coups. Ok, ça a payé. Ça, on pouvait l'enchaîner en fait. Et il crame en enfer. Et il explosait. Ah, je pense qu'on a, on a dominé là. Celui-ci. Exactement. Mort phénoménal. Go, go, Power Rangers. Ben voilà une bonne chose de faite. Bonne chose de fait. Alors je sais pas si on va se quitter sur ce petit générique, parce qu'il est, il est vachement tard quand même. Il est vachement tard, on a fait quasiment 3 heures de stream. Je pense qu'on continuera demain. Alors ça sera un registre différent. Aujourd'hui c'était vraiment jeu random, etc. à faire. Mais demain on a un joli programme. Donc qu'est-ce qu'on va faire ?